Bonjour à tous, salut, j'espère que les deux épisodes, les deux premiers épisodes vous ont déjà plu. Nouvel épisode, je vais vous donner un peu plus d'informations sur l'événement auquel je suis. Alors comme vous voyez derrière, il y a plein de motos. Pourquoi je suis là? En fait, KTM m'a fait venir pour un événement qu'ils appellent les Orange Day. Et c'est en Chine, ils ont loué un circuit en fait, donc il va y avoir plusieurs choses. Il va y avoir une compétition déjà de RC390, donc c'est une course. Hier j'ai rencontré au repas des petits jeunes qui viennent rouler. Il y en a qui ont roulé en 2,5 à l'époque avec Case Stoner de ça, donc je pense que ça doit mettre vraiment du gaz. Il y a aussi une piste d'adventure qui doit être juste derrière, donc j'ai vu qu'il y avait plusieurs motos, il y en a au moins une vingtaine d'adventures, donc les gens pourront essayer ça. Et en plus de tout ça, il va y avoir un show de stunt que je vais faire avec Wuhai, le stunter chinois qui bosse pour KTM. Et il va y avoir aussi une compétition de stunt, c'est pour ça aussi que je suis là. Je suis là pour les aider à juger, à donner mon avis, mon humble avis. Et donc voilà, ça va être cool, on est parti. Tu vas bien? Yes. La journée est terminée, maintenant où est-ce qu'on va? On va au grand dîner, ils ont prévu un grand dîner ce soir. Les dîners étaient déjà abusés avant, donc là j'imagine même pas. Les Chinois, pendant leur réception, en fait, ils ont un paquet de jeux. Et là, ils viennent en fait d'avoir des oranges chacun dans les mains. Ils doivent la presser et celui qui a le plus de jus dans son verre gagne. C'est très what the fuck. Et la troisième journée est finie? Ouais. Troisième journée, on a fait une bonne présentation presse. C'était marrant parce que je parlais pas du tout chinois et j'ai été obligé de faire un petit discours devant 300 ou 400 personnes, donc c'était un petit peu stressant. Et surtout qu'en plus, la traductrice, elle mettait un petit peu de temps à répéter et j'étais même pas sûr qu'elle traduise vraiment ce que je disais. Bref, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je suis en caleçon dans mon lit en train de télécharger des musiques et en train de regarder en même temps un épisode d'un youtubeur que je suis. Voilà. À demain. Demain, ça va être le grand jour et normalement, l'événement doit être big. Donc, on verra ça. Salut, bonne soirée à vous. Pensez à vous abonner. Ciao.